Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'installation d'un thème pour WordPress. Donc la première vidéo que je voudrais vous montrer, c'est une liste de liens URL vers des thèmes intéressants à télécharger gratuitement ou en moyennant quelques euros. Donc nous commençons tout de suite. Je voudrais d'abord vous montrer un logiciel très performant du nom d'Artistir. Il vous permet de créer des vidéos très intéressantes. Des thèmes très intéressants, personnalisés. Vous voyez ce qu'on peut faire avec, vous le voyez ici, ici, ici. Vous téléchargez le logiciel ici, mais c'est un logiciel payant. Donc vous pouvez le télécharger à partir d'ici. Download dans le Now. Il est disponible en plusieurs langues, anglais, canadien, français, japonais, chinois, etc., etc. Mais la version 3, normalement, elle est gratuite, mais elle est en mode d'évaluation. Donc vous aurez normalement un filigrane sur vos thèmes une fois qu'ils seront créés. Donc il faudra payer une version ici, Purchase. Donc pour poursuivre et payer Artistir version 3 actuellement, en juillet 2011. Donc vous achetez ici ou ici pour une standard édition, etc., ou une académique édition. Et pour la maison, voilà. Donc avec telle ou telle fonctionnalité supplémentaire en fonction de l'édition que vous choisissez. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer donc les thèmes français WordPress. Donc en vous rendant à wordpress-fr.net/thème, à cette URL, vous tomberez sur une série de liens de sites vous proposant les thèmes en français, ici. Donc vous cliquez simplement sur les liens et vous vous rendez sur les différents sites proposés. Voilà, il y a une galerie internationale également ici aussi de thèmes WordPress. Donc qui donne ça. Voilà, ensuite, je voulais vous montrer celui-là. Donc ça s'appelle WordPress. wp-business-thème.com wp-business-thème.com 551 thèmes WordPress pour les entreprises. Là, il y a vraiment de la bonne qualité également, vous voyez. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment des thèmes exceptionnels. Donc vous cliquez sur un, vous voyez par exemple EcoBiz, vous cliquez dessus, EcoBiz, hop. Thème très réussi, avec une immense possibilité de personnalisation, avec shortcode, etc. Wow. C'est magnifique. Les caractéristiques sont ici. Et vous pouvez le télécharger à partir de là. Une démonstration ici. Pour chaque thème, c'est le même principe. Voilà d'autres thèmes. Vraiment, vous avez du bon choix, de la bonne cam ici. Du très 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 bon choix sur ce site. Donc c'est wp-business-thème.com. Voilà, ensuite vous avez wordpress-thème-pro.com, wp-thème-pro.com. Recevez notre guide. Là vous avez un guide 10 sites pour se procurer des thèmes WordPress Premium. Là vous avez un guide également pour récupérer des thèmes. Donc vous cliquez je le veux et vous aurez un guide de 10 sites pour se procurer des thèmes WordPress Premium. Donc c'est un guide WordPress Theme Pro. Les meilleurs thèmes Premium. Trouvez le thème WordPress qui vous convient parmi cette sélection mise à jour régulièrement. Vous voyez? Magnifique. Vous en avez plusieurs ici. Voilà. Ensuite, vous avez par catégorie 5 thèmes gratuits. Et vous téléchargez ici le guide en remplissant votre nom, prénom et l'adresse de mail où vous voulez recevoir votre guide. Donc, vous entrez votre adresse email ici. Et vous cliquez sur recevoir le guide. 10 sites pour se procurer les thèmes WordPress Premium. Hop. Et là, en cliquant ce bouton,
Voilà, vous êtes abonné, veuillez regarder le mail de confirmation qui vous a été envoyé. Et après, en consultant votre messagerie, vous pourrez télécharger le livre. Voilà. Ensuite, vous avez Here with me, blog personnel et technique, blog technique et personnel, blog avant tout. Donc, vous avez plugin et thème ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est thème WordPress, donc c'est ici. Donc, herewithme.fr, thème WordPress français. Voilà, donc on vous dit qu'il y a des thèmes, etc. ici. Vous pouvez réagir aux commentaires, etc. Donc, ça, c'est Here with me. Ensuite, vous avez Premium WordPress. Premium WordPress. Best Premium Theme. Magazine Theme. Business et CMS Theme. Theme de blog. Theme vidéo. Theme pour les frameworks. Vous voyez, vous cliquez là, j'ai cliqué sur Best Premium Theme. Donc, vous allez être redirigé sur les meilleurs thèmes premium top. Donc voilà, bref, c'est Premium WordPress. Donc c'est premium wp.com, www.premium ou wp.com. Et là, vous aurez tous les meilleurs thèmes. Donc à vous de faire votre choix et de les récupérer. Voilà, ensuite un que j'affectionne tout particulièrement, c'est WooThemes. Donc l'adresse c'est www.woothemes.com. Et chez WooThemes, vous avez vraiment des fabuleux thèmes aussi. Donc vous cliquez All Themes, qui veut dire nos thèmes. Et en cliquant sur nos thèmes de chez WooThemes, vous accéderez à la liste des thèmes de chez WooThemes. WooThemes. Voilà pour WooThemes. Ensuite, vous avez WordPress Premium Theme Directory. Donc, c'est www.wordpresspremium.com. Attendez 5 secondes, j'ai le navigateur qui rame. Ensuite, j'ai Mojo. Vous avez Mojo Themes, www.mojo-themes.com. Là, vous aurez également une liste de thèmes. Donc, vous voyez, ils sont classés ici, avec la catégorie, le vendeur, les tags. Le prix, vous pouvez les acheter en cliquant ce bouton Buy Now, Buy Now, Buy Now. Vous avez le titre du thème là. Si vous cliquez ici, vous avez la démonstration avec le thème. Voilà, vous voyez, vous passez sur la miniature et vous avez un visuel qui s'affiche. Vous voyez, hop, vous passez ici et vous avez la prévisualisation du thème qui s'affiche. Et là, on vous dit 0M, 2M, etc. Les tags, etc. Donc ça, c'est pour MojoThemes, www.mojothemes.com. Ensuite, vous avez WP Zoom à l'adresse www.wpzoom.com. Donc ici, vous avez des thèmes également, nos thèmes. Donc vous avez les thèmes, tous les thèmes, business, magazine, news, portfolio, multimédia ou gratuit. Voilà, donc à vous de choisir parmi tous ces thèmes le thème pour votre blog WordPress. Vous avez les démos ici, chaque fois, live démo, le titre du thème, celui-là il est gratuit, on vous le dit ici. Vous pouvez rejoindre le club en vous inscrivant ici. Donc, et vous pouvez profiter de tous les thèmes pour seulement 9 $ par mois. Voilà, ça c'est pour WP Zoom, ici. Voilà, ensuite vous avez Pro WordPress, a Premium Themes Gallery, une galerie de thèmes premium. Donc là vous avez les top thèmes WordPress en provenance de Pro WordPress. Donc vous voyez, si vous passez dessus,
vous avez également ici l'aperçu à chaque fois. Ça c'est bien ça. Hop, vous passez sur les thèmes et on vous affiche le thème, la prévisualisation du thème. Voilà. Donc ça c'est pour Pro WordPress. L'adresse www.prowordpress.net. Ensuite vous avez, donc ça c'est chez WordPress Channel, wpchannel.com. Donc il vous dit qu'il y a 32 thèmes gratuits pour WordPress à télécharger. Voilà. Ensuite vous avez studiopress.com. Ah, le site n'a pas l'air de fonctionner. Non, donc laissez tomber celui-là. Là, et celui-là que je vous recommande également. Donc je connais parfaitement les thèmes aussi. Donc c'est Elegant Themes. www.elegantthemes.com. Tout attaché. Voilà. Et vous voyez ici, vous avez des thèmes WordPress Premium. Donc, ils sont ici. Vous pouvez les voir en cliquant sur ça. Voir le thème, voir ceux qui sont en mise en avant. Ce que vous obtiendrez, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un autre très bon fournisseur de thèmes pour WordPress. Elegant Themes. www.elegantthemes.com. Voilà. Donc nous avons fait le tour du tutoriel sur la liste des adresses que je vous recommande pour télécharger les thèmes gratuits ou payants pour WordPress. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel sur l'installation d'un thème WordPress. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer un thème en mode automatique par le back-office de WordPress ou par FTP en mode manuel. Merci, à tout de suite.